Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le Tai Chi Chuan. Mon nom est Sylvie Jalbert. Aujourd'hui, comme nouveauté, nous verrons avancer et coup de poing au bas-ventre et reverrons simple fouet allongé. Avant de laisser la parole à Michel, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, à poser vos questions dans la section commentaires et à aimer. Vous êtes prêts à commencer? Michel, c'est à toi. Bonjour, et on reprend là où on s'est laissé. Je vais refaire des mouvements que vous connaissez, mais en y ajoutant coup de poing bas-ventre. Et on va poursuivre parce que là, on arrive à la toute fin de la troisième étape. Nous nous étions arrêtés, simple fouet. Alors, j'enchaîne un mouvement circulaire pour aller caresser la crinière du cheval. Un pas latéral du pied gauche qui s'avance, se déroule et serpent blanc tarde la langue. La main est ouverte, vous remarquez, alors que l'autre est allé se placer sous le bras. Pivote 135 degrés. Et là, en m'assoyant sur la jambe d'appui qui est la gauche, mes bras se croisent, se décroisent et me permettent ou de talon, que j'enchaîne avec un pas avant et le coup de poing, non pas vers l'avant, mais vers le bas-ventre. En avant, mais dirigé vers le bas. J'enchaîne avec simple fouet. Que vous connaissez et dont vous vous servez de plus en plus comme une phase de relaxation. Quand vous apprenez de nouveaux mouvements, vous êtes plus tendu, alors que dans le simple fouet que vous faites depuis le tout début. Assez. Mais ici, une petite différence. Le pas de la jambe gauche va être allongé pour faciliter la suite. Repousse, continue. Vous avez remarqué ma foulée un peu plus grande parce que la suite va exiger un mouvement comme celui-là. Je vous le refais d'un autre angle. Nous étions au simple fouet. Retire, pour caresser la crinière du cheval. Pas de la jambe gauche qui se déplace. Latéral se déroule vers l'avant. Remarquez, ma main gauche est ouverte. Les doigts sont ouverts. Main droite, les doigts sont ensemble, paume vers le sol. Puis, je pivote 135 degrés et en même temps que je prends appui sur la jambe gauche, les bras se croisent, se décrasent et coup de talon. Je vais faire un pas vers l'avant. Ici, le coup de poing, il est bas, au bas-ventre, vers l'avant et vers le bas. Et non pas le coup de poing que vous avez fait plusieurs fois, tout en bas. Et je vous suis avec simple fouet, laissez-vous bercer. C'est un mouvement que vous faites beaucoup plus souvent. Profitez-en pour l'étendre. C'est certain qu'avec les nouveaux mouvements, vous êtes toujours un peu plus tendu. Il faut que la forme arrive à être entièrement détendue. Et simple fois ici, il va y avoir une petite différence. C'est-à-dire qu'il va s'allonger. La foulée est un peu plus longue, comme on a vu en début de troisième étape, pour favoriser la suite qui sera le serpent direct. En démonstration.
terminant, je vous laisse sur cette réflexion. Restez humble, demeurez débutant tout au long de votre apprentissage. Bonne pratique!